Bonjour, nous allons apprendre ici un petit secret concernant l'équilibrage des systèmes de chauffage. Alors, j'ai dans ce cadre ici un radiateur panneau qui chauffe énormément. Donc, si on le ferme avec le robinet pour équilibrer le système, pour qu'il ne chauffe pas autant, il suffit que le client arrive ici puis qu'il l'ouvre et tout mon réglage est annulé. Donc, moi je vais utiliser une toute petite pièce qui est ici, qui se visse sur le coude de réglage. Alors, cette pièce se monte sur tous les tirs de réglage ou coude de réglage ayant pour ouverture une clé Allen de 6. D'accord? Donc, dans ce cas précis, moi je veux que mon radiateur s'ouvre au maximum à 50% de sa capacité. Donc là, je peux voir qu'il est fermé à fond. Alors, on va ouvrir à fond pour savoir combien de tours il fait la fermeture. Donc, un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours. Et donc ici on voit que c'est fermé, c'est ouvert au maximum. Donc je vais le fermer à 50%. 1 tour, 2 tours, 3 tours et demi. Donc là on sait qu'il est ouvert à 50% de sa capacité. Donc j'insère la petite pièce dedans. Je vais la maintenir avec cette pièce-là, qui s'adapte là-dessus. Et donc là, je vais régler avec mon tournevis plat l'ouverture maximale de ce coude de réglage. Donc voilà. Là, c'est réglé. Je prends ma clé Allen. Maintenant, il ne s'ouvre plus avec une clé de 6, mais avec une clé de 4, peut-être, voire même 3. Alors, c'est celle-là, je pense. Oui, voilà. Et donc, on constate qu'il est ouvert à fond. Alors, si je continue la fermeture, je fais un tour, deux tours, trois tours, et demi. Et là, je suis à fond. Voilà. Donc, je l'ouvre à nouveau. Et là, je n'ai pas compté les tours, mais si je les aurais comptés, il y aurait 3 tours et demi. Donc, voilà mon radiateur. Il ne s'ouvre plus qu'à 50% de sa capacité. Et dans ce cas, on peut même ouvrir le robinet à fond, que la circulation est coupée à 50%. C'est ce que nous appelons un chauffage en équilibrage du système. Ça permet de régler la circulation d'eau de manière à ce que ça circule à peu près la même chose sur tous les radiateurs. Bien entendu, cette pièce se trouve dans les magasins professionnels de chauffage. Et donc, c'est une astuce qui est un petit peu réservée aux professionnels pour combler certains problèmes sur certaines installations qui ont du mal à fonctionner convenablement. Alors, je complète ma vidéo. Je montre ici la fameuse pièce que l'on peut visser sur les coudes de réglage. Voici la petite vis de réglage. Alors, pour l'actionner, il faut un tournevis plat de petite taille de manière à ce qu'il rentre dedans. De manière à ce qu'il rentre dedans pour pouvoir visser ou dévisser la vis de réglage. Ça, c'est l'adaptateur. C'est ce qui permet de se visser ici. Alors, je voulais attirer l'attention du lecteur en disant que certains coudes de réglage, coudes IT de réglage, ont déjà cette pièce intégrée. C'est le cas
de ce coude réglage ici. C'est un coude de la marque SAR. On ne le voit pas vraiment avec, avec la vidéo, mais c'est un coude réglage de la marque SAR. Donc, ils ont déjà cette pièce intégrée. Donc, c'est une astuce réservée généralement aux professionnels, mais qui peut servir à des particuliers aussi qui ont des problèmes de déséquilibrage sur la circulation de chauffage de leur domicile.